Salut à tous, c'est la version 2, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est la nouvelle des cantons partie 3. Donc voilà, vous donner des nouvelles, voilà, là, je suis revenu de vacances. Je vais pouvoir refaire des vidéos, racheter des nouveaux arrivants, refaire des poussins. Donc voilà, je suis de retour pour des nouvelles vidéos. Donc voilà, donc d'abord n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un gros pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne. Et à vous abonner à mon Instagram, LVR62. Où je mets beaucoup d'actualités sur les canards et sur l'élevage. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve du coup pour cette petite nouvelle. Bon, comme vous voyez, là vous voyez, j'ai changé ça ce matin. Là je suis revenu, il est 18h. Bon, là l'eau je dois la changer demain, je pense. Je vais la changer tous les jours. Là, la nourriture ça va. Bon, là vous voyez, ils ont bien grossi. Bientôt ils vont changer de parc, je pense. Bientôt. Là, dites-moi dans les commentaires. Quand je pourrai les mettre en extérieur. Quand je pourrai les mettre en extérieur. Parce que là, ils sont déjà. Là, il y a le plumage. Il y a le plumage, donc voilà. Après, dites-moi si je peux à leur âge déjà les sexer. A priori, je pense que oui. Là, il n'y a plus leur duvet et tout. On peut bien voir le sexe de. Du canard, donc dites-moi dans les commentaires si c'est possible. Donc ils sont très beaux, très très beaux, ils grandissent bien. Donc bon, pendant que j'étais parti en vacances, j'en ai perdu un. Donc vous vous rappelez au tout début, j'en avais perdu un petit, j'en avais 9, j'en ai perdu, ils étaient plus que 8. Du coup là j'en ai perdu un gros pendant que j'étais parti en vacances, mais qui quelqu'un, le voisin qui s'occupait, qui s'occupait d'eux, du coup ben. Du coup, ben voilà, malheureusement il est mort parce que bon, je sais pas, mais ça, il était plus fragile que les autres. Mais là, ils sont tous en pleine forme, bien entretenu. Je change vraiment, c'est vraiment c'est propre à chaque fois que je m'en occupe. L'eau, je la change tout le temps. Et là, ils sont parfaitement bien. Hein. Bon, une petite image d'eux. Bon. Déjà des gros bébés. Hein. Donc voilà, encore une fois, je vous répète encore, bon, ce sera une plus petite vidéo que les autres de d'habitude parce que j'ai moins de choses à dire. Après, c'est plus de vous dans les commentaires qui pourrez me guider. Donc bah, dans les commentaires, dites-moi des astuces, encore une fois, des conseils que vous pouvez me donner par rapport à si je peux les mettre dehors maintenant, comment je peux les sexer. Là, ils sont bagués, ils sont pas jointés, ils sont pas jointés. C'est mieux, apparemment, ils ne sont plus. Donc voilà. Donc actuellement ils sont dans la serre, ils sont bien, il fait pas trop chaud. C'est souvent arrosé, du coup c'est assez frais. L'eau elle est fraîche aussi, donc voilà. On les voit très bien, ils sont très très heureux. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces. Voilà. Allez, ciao ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'un suivi d'hashtag 4, donc allez, ciao ciao.